Oh, le Québec! À fond, le Québec! C'est bon, ça! Alors, temps de printemps chez nous, 14-15 degrés, ciel gris. Bon, je vais faire mon break habituel, il va me reconnaître de suite. Break over! Je sais que là, il m'aura reconnu. C'est toujours plus court que de faire tout un long appel qui est en surmodulation. Breakover. Quand la propague est pas tout à fait du bon côté. Il est où? Ah, il y a une balise qui passe. Ah, ça va vachement m'aider, ça va passer. Oui, Breakover. Ah, ah, ah. J'ai eu un retour dans le web SDR, c'est bon. Et je n'entends pas. Alors on va dire que pour cogner à la porte, c'est devenu ma signature là sur son QSO journalier. Quand même 56-57. Yep. Salut tout le monde, salut Frangin, les 73-51, j'allais dire de la journée, non, du matin, puisque là, alors il est 3h35 PM de mon côté, donc
9h35 AM chez toi. Ok, alors j'ai entendu que c'était le printemps de ton côté. J'ai regardé, moi, il y a 14-15 degrés ici, là, sur la France. Enfin, sur le sud-ouest. Mais bon, côté ciel, aujourd'hui, c'est du gris. Et côté propag, eh ben, c'est du 55-57 ici, hein. C'est ne déménage pas, hein. Surtout pas, <quoi. rire> Là où tu es, c'est ça passe fort. Ben t'es celui qui passe le plus fort, ben comme toujours, hein. Comme toujours, t'es celui qui passe le plus fort. On voit qui c'est le maître des ondes ici, hein. Waouh, oui monsieur, retourne le micro. Hop là. Waouh. Merci Jean-Luc, allez 73-51 retourné. Oui, alors qu'on est le 2 février, c'est tout. Il y a un truc qui déconne quelque part. D'ailleurs, hier soir, pour partir au travail, j'étais bien tenté de prendre la moto, mais j'étais bien inspiré aussi de la laisser ranger, car toute la nuit, ça a été de la flotte, de la flotte, de la flotte, plus du brouillard. C'est voilà comment a été ma nuit de travail, quoi. Et là, ben, je repars après, ben, tout le week-end, à travailler aussi. C'est bon, ça. Je vais gagner plein de sous, moi, à la fin du mois. Ah, il y a la vache folle. Ah, la dégâts, la vache folle. J'ai eu de la vache folle qui est passée là par-dessus toi, qui nous a lâché ses gaz. Du coup, j'ai rien compris là. Ça, c'est, il y a eu des flatulences de partout là sur les ondes. Ça pue la vache. Désolé, mais là j'ai absolument rien compris. C'est désolé. Merci. Oh oui, ça descend. La propague a fait yo-yo. J'ai de la moustache qui est arrivée. Il y a du monde qui s'est installé là, juste à côté de la fréquence. Là, tu es descendu à Santiago 3. Mais bon, j'ai eu Roger de tout. J'ai eu QSL de tout. Merci. 73-51 en espérant que la propague remonte vite, mais très vite. Là, de suite, présentement. Retour de micro sur Gilles, le chef d'orchestre du QSO. Allez, d'accord. Bon, ben, je crois que la propague a tourné sur le Brésil, là, pour le coup. Alors, brésilien ou brésilienne? C'est vrai qu'il y a toujours un doute avec eux. Yeah.
Passe pas. Ni sur le web SDR. T'as la vache, ouais, Santiago 2-3 là de mon côté. C'est pas top, c'est pas propre. Qui c'est qui a pas passé l'aspirateur? Qui c'est qui a oublié de brancher la prise pour la propague? Oh la vache. Ouais, puis en plus de ça, j'ai un gros perturbateur brésilien avec des cacahuètes qui m'a envoyé une porteuse là, à Santiago 9. Ah là là là, c'est... Là, il y a du kilowatt là derrière. Parce que bon, la propague était un petit peu en berne ou à tourner ailleurs. Pour arriver aussi fort, bon, je sais que c'est la propague qui fait tout le travail. Mais là, quand j'entends tout le monde en QRP que lui, il m'arrive d'un seul coup à Santiago 9, c'est que là, il y a du fait exprès, quoi. Et là, on se surmodule. Attends, on dirait qu'il est juste à côté, quoi. Bon, sans preuve, on va pas épiloguer. Et je commence à avoir un doute. Ouais, dans sa vidéo là d'hier, Gilles, justement, là, on voit là, Là, hier après-midi, il était en fréquence quand même. Mais chez lui, ça doit être tellement, tellement grand, les étendues et tout, ça. Les villes, ceci, cela, qu'au niveau local, ils ont du mal à s'attraper. Quoi. Et pourtant, il y a du monde. On remarque là où il est, quand on regarde sur les cartes du monde, il est en banlieue ouest de Montréal. Mais banlieue ouest à une trentaine de kilomètres quand même. Ça la pousse loin la banlieue. Ah, c'est pas les mêmes proportions que chez nous. En comparaison, faire le tour de Bordeaux et la périphérie par la rocade, ça fait, d'après les panneaux, 45 km. Donc, faire tout le tour de la périphérie par la rocade. Là, lui, c'est une trentaine de kilomètres, mais bon, droit, quoi. Ça remonte. Oh, ça fait le yo-yo. Ça fait le yo-yo, ça fait le yo-yo. Thank you.
J'ai beau avoir le WebSDR d'Ottawa à côté, mais là, il ne me sert pas grand chose aujourd'hui. Bon, là, j'ai une autre vidéo là en cours. Ah, pour ma part, je suis toujours là, hein, il n'y a pas de problème. J'adore leur accent. Je crois que si j'allais là-bas, malgré moi, je le prendrais facilement sans m'en rendre compte. Oh là là, ça monte en surmodulation, en moustache, pardon, de mon côté, là. Ouais, aïe, aïe. Qu'est-ce que je voulais dire? Attends, zut, ah bah ça y est, ils m'ont fait perdre le fil. J'ai le poisson rouge qui a fait le tour du bocal dans ma tête, et du coup, j'ai perdu ce que je voulais dire. Oh, quel con. ah ben zut, bon ben tant pis, retour du micro le temps que je retrouve ce que je voulais dire. Tant pis, désolé. Qu'est-ce que je voulais dire comme connerie? T'as la vache, là je suis un peu embêté là de mon côté là. C'est vrai que là, waouh, 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 waouh. On a connu mieux là. Bon, j'espère que le prochain coup que je pourrai prendre le micro, ben pas ce week-end, mais évidemment, parce que là, je vais bosser tout le week-end. Mais je sais plus qu'est-ce que je fais. Qu'est-ce que je fais, Gilles? Je bosse comment? Attends, je crois que ça doit être samedi, dimanche, lundi, il me semble. Je sais plus. Mais bon, bref, j'espère que le prochain coup, là, que je serai de retour, là, dans le QSO, que ça ira à fond. Mais bon, c'est vrai que j'ai un petit peu regardé l'activité solaire là sur Internet et tout ça. J'ai bien vu qu'il y avait des petites taches et tout ça, mais bon, c'était pas très pas très joyeux comme truc. C'était pas. J'ai bien vu que c'était pas top top top. Oui, 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 pareil. Heureusement qu'il y a les vidéos qui sont là pour pouvoir après récupérer le QSO entier. Quoi. À propos de vidéos, pour les stations qui seraient en ASWL derrière, quand vous prenez le micro, ah ben c'est plus des ASWL pour le coup, hachis. Les stations, quand vous prenez le micro, repérez l'heure à laquelle vous venez discuter dans le QSO pour pouvoir retrouver plus facilement dans les vidéos. Il y en a, c'est vrai qu'ils ont un petit peu de mal avec ça. Pourtant, c'est facile. Il suffit de regarder l'heure. Là, je vois de mon côté, il est 15h50 presque. Donc, 3h50 PM presque. OK. Je sais que si je veux retrouver ce passage-là dans la vidéo, eh ben, je pousserai le curseur jusqu'à temps que je trouve cette heure-ci. Puis voilà. Mais il y en a pour qui c'est plus compliqué que, ou moins plus pas facile. Bon, c'est pas grave. Même moi, là, je m'y suis pas compris sur la fin. Oui, aïe, aïe. Attention, Houston, nous avons perdu le Québec. Eh oui. Bon, ben, s'il y a quelqu'un du Québec qui m'entend encore derrière, ce que je doute, parce que bon, ben là, je vois pas pourquoi ce serait un sens unique, si des fois c'est le cas. Mais les bains de son 1351 à vous,
Je me baladais un petit peu sur les ondes, vite fait, comme ça, tac. Et puis là, j'ai du taf là qui m'attend en montage vidéo et d'autres montages vidéo, car en même temps, je suis en train de faire une vidéo tuto d'un logiciel SDR. Bon, bref, ça sera dans une prochaine vidéo. Et j'ai encore autre chose, un nano-ordinateur à démarrer. J'ai pas encore eu le temps de m'y pencher dessus. Faire plein de trucs dessus et tout ça, faire connaissance, ce sera déjà pas mal. Et bon, ben bref, tout ça pour hier. Bon, bref, c'est pas les projets qui manquent. C'est pas les chantiers en cours qui manquent non plus. Donc, si quand je vais relâcher le micro, ça passe encore, eh ben je continuerai là sur le QSO. Si ça passe plus, les bonnes sont 13:51 à vous tous là, du côté de la 9, et bonne journée. Oh, j'ai entendu un QRP, les 73, 14 km, 33, 01 Rémi. Alors, je sais même, j'étais un petit peu surpris, vu que c'était du QRP. Du coup, j'ai même pas, il m'a pas semblé que c'était quelqu'un de la 9, mais plutôt quelqu'un de la 14. Ou alors, c'est moi qui ai les oreilles complètement bouchées. Cacophonie. Allez, bon QSO de votre côté. Je m'en vais surfer un petit peu là sur les ondes à droite à gauche avant de couper. Merci pour de m'avoir accueilli dans le QSO. À plus. Ah, t'es passé, Gilles. Ça fait le yo-yo, mais dans le bas. Donc là, va pas falloir longtemps pour que ça fuite à nouveau, quoi. Merci, tout ça retourné également de ton côté. Et oublie pas de prendre ta petite pilule bleue, Gilles. Hachidikou. A plus, le QTH, la 9. Tac. J'ai pas compris. J'ai cru comprendre Toulouse. Oh, mais je restais là, moi. Oh, il y a de la cacophonie de partout. C'est pas agréable. Voilà. Ah ben là, c'est mort. Alors en ce moment, il y a aussi le Québec plus haut. J'aimerais bien savoir de quel côté ils sont.
la propagation devrait monter à son apogée. Il devrait avoir de l'agrément dans la propagation. Donc, j'ai vu une toute petite propagation là. Depuis le début que j'ai commencé, là, c'est tout petit, mais c'est quand même audible. Donc, merci beaucoup de ton passage, Jean-Michel, puis on se reprend un petit peu plus tard sur la QRG lorsque la propagation est en Ah, ça fait du yo aussi. À toi, Jean-Michel, pour ta finale. J'ai un QRM électrique. Oui, je monte en fréquence, j'ai du QRM. Ou alors il vient d'arriver, j'ai pas fait attention juste avant. Et non, je l'ai moins. Alors les OM qui disent qu'il faut forcément aller dans le haut du 27 mégas pour plus avoir de QRM, c'est pas forcément vrai. On n'est pas tous logés à la même enseigne. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un truc qui est passé là. La fréquence Facebook. Ah, oh ben là aussi, c'est calme. Ben, peut-être pas, du coup. You again here on 11 meters. 330 Mike Radio, John Barcelona, Spain. This is 5C Delta X101. Oh, ça sent le... Yes. Ça pousse. Ça pousse, ça pousse. Voyons, Naïm, ça passe très bien. Ok, je vois l'XYL qui vient d'arriver. Ah bah, ça a bien roulé de son côté. Et 73-51 à tous. 14 km, 33-01, Rémi, Dandy 33, sur le sud-ouest de France, la Gironde. Les 73-51 de la planète Sibi francophone.